moins de 2 minutes. Momotaka peut-être pour une super surprise. Momotaka non licencié, qui court à l'instinct. Pas au niveau de la course, mais par rapport à ses engagements sur les courses. J'ai envie de courir, ben je m'inscris, comme c'était le cas l'année dernière, encore cette année, sur cette 36e édition du 10 km de Montreuil Junior, organisation Montreuil Junior Athlétisme. Et puis on rappelle également que l'APASIC, association de Gérard Frogy notamment, est présente sur les lieux pour venir en aide aux personnes atteintes. Allez, c'est Momotaka qui sort le premier, qui a dû donner un grand coup de taquet sur le dernier tour. Ils étaient 5 et le trou est fait maintenant avec la tête de Saint-Barthélemy d'Anjou qui lui est qualifié pour les championnats d'Europe de Qualitrail. On en parlait tout à l'heure ce matin, mais on est dans un tour de 8h30. Voilà, ça a complètement explosé sur le dernier tour. Momotaka, une bonne cinquantaine de mètres d'avance maintenant sur le poursuivant de l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou et également le troisième maintenant, donc qui était Mathieu Dugligamant, qui a fait déjà donc les deux tours en tête. Et sur le troisième tour, si on relâche, c'est Sébastien Couton qui lui vient de la Bébandée, qui est maintenant quatrième. La victoire pour Mohamed Taka, troisième année d'avant, et victorieux cette année, Mohamed Taka. Dans un instant, sous vos applaudissements, voilà, on va être sur un chrono de 32 environ, et c'est donc le Mozart 495, Mohamed Taka, 32-11, et c'est Anthony Renard. Il va prendre la deuxième place pour le tennisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Avec la troisième place, celui qui était en tête sur les deux tiers de la course, Mathieu Dugligamant, de l'AC La Roche-sur-Yon, troisième. Et à la quatrième place, ça va se jouer à pas grand chose avec Sébastien Couton de la Bébandée. Et à la cinquième place, Baptiste Mellet de l'Entente-en-Ville Athlétisme. Cinquième, à quelques secondes de Sébastien Couton. On voit qu'ils ont tout donné. On va retrouver à la sixième place, avec une arrivée assez parfaite entre l'AC Clapeyron et le Deuxa. Et c'est donc Émilien Lebrun, c'est le chrono qui définira Émilien Lebrun de l'AC Clapeyron ou David Vanetti de l'Entente-en-Ville d'athlétisme, Florian Robert de l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou et Philippe Payat de l'Odeza devant Anthony Rongère en non licencié, Guillaume Fouchereau de l'Entente-en-Ville d'athlétisme, puis Julien Fournier encore de l'Odeza pour une arrivée dans le top 10. On rappelle donc la victoire de Mohamed Taka en 32-11 devant Anthony Ramard et Mathieu Dugligamant. Guillaume Dénier pour l'Entente-en-Ville d'athlétisme. Un peu plus de 34 minutes. Se place 13e au général. Simon Derien. Voilà, beaucoup de maillots d'Entente-en-Ville d'athlétisme, le club majeur qui organise cette 36e émission. Et voilà, Saint-Barthélemy d'Anjou qui arrive. Et non, c'est la Tessart de 72 avec un David Hénin qui est encore effort de sprinter et qui termine juste derrière son collègue. Le club en retrouve Sébastien Brillant également, Augur Magnelli, Gaëtan Rumeau. Quelques fois, les petits clubs avec Jocelyn Dubrano. On a
également Lucien Chapot, Romain Poilane, Marc Soulier pour la catégorie Master 2, Benoît Bélier, Jimmy Meguel, Yvan Humeau pour l'AS Valéo Angers, Yvonique Todon, Ludovic Leroy pour le CAPS Saumur, Dimitri Leblanc dans la ligne droite. Avant le marathon donc de Saumur qui va être vécu le 12 mai, c'est-à-dire dans 10 jours maintenant, avec un très très bon chrono, Dimitri, c'est intéressant pour la suite. Allez, on a l'entendu Mons également qui a passé la ligne, le premier jeu milliardaire. Voilà, on est en moins de 36, François Jérémy. Vincent Morin également, qui a passé la ligne d'arrivée pour la TSA 72. Déjà 3 à être passés avec la ligne d'art, notamment. Après son 2h40, 2h44, 2h47, réalisé à Aron. Max Dépensky, le 2h494. Ah bon, Max. Allez, on a un petit peu plus de 36 minutes, c'est très bien, Max, bravo. Frédéric Pressin également, plus axé sur le trail, et ça correspond aux événements notamment. Bravo, Frédéric. Christian Poirier pour le SSH athlétisme. On retrouve Vincent Bello, sur le 2A. Et puis, voilà, maintenant, on va pas arrêter de défiler, on va atteindre la première féminine. Avec tout à l'heure, Isabelle Rongère qui est en tête devant Sylvie Robert. Et Isabelle dans la ligne d'en face pour une victoire sur cette 36e émission du 10 km de Montagné. Allez Isabelle, je vais là-bas, il reste 200 mètres à parcourir. Voilà, l'attaque du dernier virage pour Isabelle Rongère. Les derniers 100 mètres à parcourir avec Sylvie Robert à moins de 100 mètres. Voilà, c'est course gagnée maintenant pour Isabelle Rongère, la prof de sport parisienne. Alors que les arrivées, bien sûr, continuent à se dérouler avec notamment Stanley, Guillaume, Jérémy, Éric, Nicolas, Guillaume, Frédéric. Voilà Isabelle, entre deux. Voilà Isabelle, en moins de 38 minutes. Voilà qui remporte la catégorie féminine. Laurent Bouly également. Frédéric Payard. Bravo Isabelle. Et arrive la deuxième féminine, Sylvie Robert, que je vous demande d'applaudir également très fort. Sylvie Robert. La 2h35. Qui prend la deuxième place. Allez, le ravito, il est derrière, il faut sortir du couloir, s'il vous plaît, pour aller vers le ravitaillement. Allez, on avance de la ligne, il va y avoir de plus en plus de monde. Allez, également, le 2462 de l'Oréal Endurance Athlétisme, c'est Pierre Cotry qui est venu à River, qui a fait 10 km et qui va rentrer avec le Pierre. Bravo Pierre. Allez, ça continue à arriver. Allez, on sort de la zone, s'il vous plaît, pour laisser la place. On avance jusqu'au bout. Au ravitaillement, féminine maintenant. Donc on rappelle Isabelle Rongère devant Sylvie Robert, merci. On attend la troisième féminine dans un instant, alors que le maillot bleu, orange et blanc de Le Dessart et la troisième qui arrive à l'instant avec le Dessart 26, c'est donc Tonia Faudry de Angélaté qui prend la troisième place, Tonia, troisième, qui va recevoir une rose.
verbal des organisateurs, une grosse remise à toutes les féministes de la course. Allez, jusque la lune qui termine également. Allez, ça y va, nouvelle chance pour la SPA, l'entraîneur. Voilà, on a un petit peu moins de 40 ou 40 minutes maintenant du passé pour tout ce qui passe à l'arrivée. Noël Jean, l'entraîneur donc, de la SPA, l'association sportive, Saint-Martin d'Anjou, qui prend également une carrière de cette catégorie. Allez, André Boutet, qui a terminé, Thierry Bruchet également. Pascal Bonnard, qui termine. Pour le Rolling Valmiro, bravo Pascal, moins de 41 minutes, bravo Pascal. Et après lui, on a donc Corentin Pichon, Dominique Bouvier, Alain Dominique, Master 3 qui arrive. Et voici Cédric Crépin, quatrième. Quatrième, Cédric Crépin de sa 17 pour l'Espérité Angers. Bravo Cédric. Et pour le ravitaillement, il faut prendre le couloir pour sortir. Et à la cinquième place chez les féminines, c'est Estelle Manchot, également de la SPDC Angers, qui prend la cinquième place. Alors que Michael Delonnet, de la SC Chub Asprey Entreprise, on a terminé également avec ce 10 km. Bravo, Michael. On retrouve également. On va passer la ligne d'arrivée. Eh bien, Jean-Patrick Orange, de l'OSC Sacha. Et là, la Cyclopomètre qui va en terminer dans un instant. Pour tous les Rémour, Yann Rollo, Ludovic Cochon, Joël Chignon. On attend toujours Daniel et Arthur pour repasser aux inscriptions, pour retirer, échanger un dos, il y a une erreur. On a donc aussi Denis Poissard qui a passé à l'étalier, comme Jean-Patrick Renaud, Steven Carrosoré, Denis Coutet, Bruno Ménard, ou encore Paul Talon. Allez, les féminines passent à l'étalier aussi, Audrey Larieux, Corinne Boulier également, a terminé Raymond Pointeau. Donc qui est deuxième Master 3, Raymond, deuxième. On a également Christian Lecru, Master 3, dans la foulée de Raymond, bravo Christian. Et toujours pour le Master 3, Noël Robichon. Pour la SMAC des Brillants, qui est la quatrième place. Antonio Ferreira, qui en a terminé. Comme à l'instant, Agathe Gélineau, qui a gagné l'épreuve du Trail du Granit sur la distance de 7 km. Bravo, Agathe. Et après Agathe, on a donc une autre féminine, c'est Pauline Chapinier, de l'intendantine Athévis. Christelle Bourreau également. Qui termine, bravo Christelle, après ta séance des 300 hier soir, hein, ça fait drôle, hein. Bravo Christelle, on rappelle Christelle Moreau qui organise avec son club de l'AS Martigny-Briand, le trail de la Trapalute le 26 mai, 3 distances, vous inscrire à tout prix pour participer, c'est quasiment 100% de chemin, et c'est important d'y aller, ça rentre dans le chemin de la France GML, petite et grande distance, direction Martigny-Briand le 26 mai. Allez, Cindy Dupuis qui termine également, avec Chouchou qui a des enfants, il lui a encouragé maman. 63. Donc Cindy Dupuis qui s'est classée 233e. Alain Atoile également a terminé. Et puis dans la catégorie 9 sur 4, après c'est là il est arrivé. Eh bien on a Jacques Martineau. Allez, Château de Tatlé également dans la course. On a terminé, on rappelle que le ravitaillement, il faut avancer jusqu'au bout du couloir d'arrivée. Prendre sur votre gauche.
coureurs. Allez, faut avancer au fur et à mesure dans le couloir d'arrivée pour aller au ravitaillement. On reste pas dans le passage. Allez, nouvelle féminine, Christiane Bellamy, avec Alain Lamy, Mickaël Fouette, Joël Tabus, habitué aux longues distances, bravo Joël. Elle a également eu après Joël Tabus, David de Toussaint, Éric Vuitton, Laurent Teille, Yvan Bruand, Jamy Paco, Aurélien Fouché, Benoît Lénor, Damien Gaud, Richard Grosbois, Delphine Abélard qui va arriver. Delphine Abélard qui vous invite toutes à l'équivalent de Chalonne le 15 septembre après l'organisation du trail, du Canada Trail. Salut Delphine, bravo à toi. Allez, pendant que arrive Corinne Coutet et Alexandre Louis, on rappelle également qu'il va y avoir des courses enfants tout à l'heure. Inspire les enfants les plus jeunes auront 800 mètres à parcourir. Voilà René Bertelon qui arrive. René Bertelon, voilà des arts, c'est une chose de chaque de la tête assidure les gens, René. René Bertelon, Master 4. Xavier Dehaene, qui en a terminé pour Atoumarc, bravo Xavier. Voilà d'autres féminines qui passent à une année comme Christine Durand en 46, je peux dire 47 minutes de course. Et encore la force de PT pour gagner une place, bravo, le dossard 282 de Mickaël Lejoncourt, bravo Mickaël. Joël Boutman, en train de la gestion de loisirs, le seul d'Anjou. Gilbert Severdi. Allez Gilbert. C'est vrai qu'à base, si vous entendez Philippe à côté, avec lui, vous serez remettre. Vers le ravitaillement d'arrivée. Allez, toujours des féminines à passer la ligne d'arrivée comme Marie-Agnès Poirot. Bonjour Marie-Agnès. Jean Pézin également à la terminée comme Pascal Pétier. De la Seule d'Anjou, Vincent Le Poussier, Julien Pinot, Christophe Bonnet, les Italiens, Jean-Daniel, Marie-Celle, Jean-Marie Roch, Olivier Bell, Sébastien, Cormont. Voilà encore quelques secondes, voilà
Sébastien, super Sébastien Pierre. Plus de 12 heures, Sébastien. Bravo. Bravo, Seb. Après la séance de lundi soir, c'est bien. Voilà, normalement, on est légèrement au-dessus de 50 minutes. Et c'est bien ça aussi. Avec tous les morins. Oh, pardon. Allez, vous êtes déjà 370 à l'intérieur à 50 minutes. Il reste encore des forces pour fêter avec André, Émilie, Christelle, Jean-François, Marie, Pierre, Justine, Jérôme, Marcel, Hermine, Valérie. Allez, on approche des 400 arrivants déjà. Très bien, un bon niveau ce matin. On rappelle la victoire de Mohamed Taka. Dans la tête de Saint-Barthélemy d'Anjou. Sébastien Couton, on le semble de rappeler à la troisième place. Et là, pour le coach Chalon, c'est Joseph Benouet. Bravo Joseph. Et Saint-Barthélemy d'Anjou, Manuel Achouki, il est du charme. C'est bien, bravo à tous. Allez, Hervé Hardy, David Talleux. Bravo. Dominique Joucheret. Thomas Sorcal qui fait la mise. Et qui reçoit une fleur aussi, bravo. Pascal Coudeuve pour le 2A. On retrouve également le coude en Master 4 pour l'entendre en athlétisme. Et il y en a au moins de 50 minutes pour tous les athlètes à passer la médaille maintenant. Allez, Sandrine Mésange, Nathalie Collin, Benoît Guignard, Patrice Breton, Gérard Henri, Noël Bougère. Vincent a essayé et bravo. Aimé Guérin également de Combray, on a terminé. Aïssa et Camille ici, qui termine, bravo, excuse-moi si j'ai mal appuyé. Bravo. Samy Chauvat, qui, David, Pascal Monjaret, voilà, c'était pour Pascal. David Key également. Bon de côté Joubert, on a terminé pour la décision de Saint-Barthélemy. Charles Muller. Allez Charlie, pour être petit pas. Allez, c'est bien, c'est la fête. On continue avec Jason Pellebard et Brigitte Pellou à l'instant. Allez, Bernard Renier pour la Saint-Germain d'Anjou. Julie Génard de Beaubuisson. Allez, Julie, voilà, félicitations. Marc Lignon, c'est fait. Marchand, c'est fait. Bravo, Marc. Karine Duchesne. Philippe Maillard. Sandra Landron. Comme Sandra, Brigitte Lelouen, Warnet, Raphaël Clément, Bruno Brunel, Didier Brunel, pardon. Et alors vous, c'est Michel Maudy, allez Michel. Carine Paul, et tout ça, c'est toucher la tête sur la dernière ligne droite et gagner 100 mètres. Allez, on a changé, comme Isabelle Guimont, Édith Bourg,
Philippe Gabi, Colin Chauvinier, Fabien Mondin, allez Fabien, voilà. On laisse la semaine en jour, on laisse la chance, très bien. Voilà les filles, Icarine, Fabien, Marie-Père, Isabelle Roussel, Chantal Coco. Le temps de les rassembler.
inviter tous les enfants en respectant la course à venir sur la pelouse. Au niveau du but de l'entrée au stade, si vous avez tous les enfants qui veulent participer aux épreuves jeunes, avancent sur le stade parce que c'est Michel Bravo qui va les soulever d'eux. Michel Bravo, le même temps. Laurence Lyon avec le coup en main, nous allons avec lui, ça fait des questions. Encore un dizaine de bouquets. Bravo. Un peu plus d'une heure.
Et puis là, on a Philippe Couillet qui est accompagné de Philippe Robert qui va terminer. Voilà, aussi Tiffany qui a passé la nuit entre les deux. Il reste encore un peu de courage sur le circuit. On est à 499. Voilà, Frédéric Lemonnier, c'est 499. On attend. Allez, Frédéric Lemonnier, 498e à face de la guerre. Il a 500e et dans le virage. Le serpil, c'est le vélo. On l'attend tout à l'heure. Allez, à la 500e place, devant nous, Totor, tu la prêteras. Aurélie Domino, 500e. Allez Aurélie, elle est accompagnée de Stéphane Bourdon. Allez Aurélie, Stéphane. Christian, à la 500e place. Voilà, bravo Aurélie, bravo Stéphane. Aurélie, 500e. Ça c'est la étape. Oh.
Sinon, seront remis suite à tirage au sort avant le départ. Allez, arrêtez. C'est arrivé pour arrêter. D'accord, est-ce qu'on va respecter l'horaire? Allez, on applaudit très fort Marité, qui va terminer de sa course. Marité de Desiré du Marceau, ça fait très longtemps qu'elle fait la course. Elle coupe la Desiré du Marceau, elle va occuper la 530e place. Quelle preuve! Bravo Marité qui va recevoir deux roses. Marité, Marité reste en retard. Bravo Marité. Petite interview.